Attends. Aidez-moi. Ça va? Je pars quand il s'explique, hein. Si c'est un prank, les gars, si je le vois, je le percute. Hein. C'est pas un prank, percute pas avec ma voiture, frérot. Non, après, je te donnerai les sous, moi, je suis pas comme lui. Hein? Salut Internet, c'est Kamoff et bienvenue sur ma chaîne principale. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de ouf. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous présenter un hébergeur. Si vous voulez avoir un site Internet comme moi, prenez Planète Austère. Ils sont implantés en Suisse et au Canada et c'est 100% fiable. C'est les meilleurs, pour moi, hébergeurs au monde. Pour ceux qui sont dans le domaine, vous savez de quoi je parle. Je voulais faire un nouveau site pour mes vêtements, pour vendre, vous savez, j'ai des vêtements Kamoff comme cela. Je voulais faire un nouveau site et je suis tombé sur lui et j'ai été agréablement surpris. Non seulement ils font des super prix de ouf, mais en plus de ça, aujourd'hui avec cette vidéo et ce code promo Kamoff25, vous avez 25% de réduction supplémentaire en plus de leur tarif très très bien. Vous avez un service client en plus de ça qui est très joignable, qui sont à l'écoute et si vous avez le moindre problème, vous pouvez les contacter. Pour les sites WordPress, c'est l'idéal et en plus de ça, ils offrent une configuration assistée. Donc n'hésitez pas les amis, Planète Austère, c'est le bon plan d'aujourd'hui et je vous en fais profiter. Bon visionnage à tous et à plus. Ciao. Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez kiffé le premier épisode qu'on avait fait il y a peut-être un an ou deux maintenant où je laisse des colis dans un camion. Et je regarde les gens, ce qu'ils font en laissant le camion ouvert. Je vais laisser ce camion ouvert avec des colis à l'intérieur. Donc vous voulez voir, il y a Karcher, il y a des colis de toutes les couleurs. Bon, bien entendu, il n'y a rien dedans. C'est juste pour attirer les gens qui vont passer devant le camion. On va laisser le camion ouvert pour voir s'il y a des gens qui s'amusent à voler. Vous nous connaissez, s'il y a des gens qui volent, on va les attraper. On va leur dire que c'est pas bien, on va leur faire une bonne sentence façon Kamoff et je pense qu'après ça, ils ne recommenceront plus. Donc voilà les gars, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce qui va se passer. Nous, on va mettre une petite caméra à l'intérieur du camion pour voir les voleurs et on va se mettre un peu plus loin pour voir si quelqu'un vient voler ou pas en laissant le camion grand ouvert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage à tous. Il y a un mec qui arrive, je le vois hors caméra. Il est là. Merde, ben non, rien du tout. Putain. Attends, peut-être qu'il a pas vu. Hein. Ah mais gros, ça va là. Il y a des gants qui a touché le camion. J'espère qu'il va rentrer, il faut qu'il rentre dans le camion. Il rentre pas ce bâtard. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les trucs. Il rentre pas. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais. Il a pris un petit truc, hein. Vas-y. Le mec il est parti comme une gazelle, frérot. Un poussière après, il est déjà loin. Bon, on s'en fout, il a pris une boîte vide. On s'en tape, il n'y a rien dans les boîtes, les gars. Bon, on va changer d'endroit. On va aller dans un endroit où il y a un peu plus de monde. Allez, on passe à la scène numéro 2. On a changé d'endroit, les gars. Il y a un mec qui est sur le trottoir d'en face. Je sais pas s'il va faire quoi que ce soit. Bizarre lui. Allez, putain, pourvu qu'il rentre. C'est bon, attends. Viens. Il est coincé, il peut pas sortir sur le côté, c'est impossible. Ah, tu veux sortir? Hein? Oh, hey! Viens ici! Faut que je travaille le cardio, mec. Hein. Pas... Encore lui, ça va, il a rien volé. Putain, hein, faut que je travaille le cardio, frérot. T'as rien vu, moi, dans le camion? Non. Non, il a rien pris. Eh ouais, gros, on est des gags, on laisse les devants ouverts. Eh ouais, y a pas de. Oh putain. Là, ce qu'on va faire pour le prochain coup, on va fermer les vitres. On va fermer le camion et on laisse juste les portes ouvertes. Comme ça, il peut pas sortir. Voilà, il peut pas ni sortir par l'arrière ni par les côtés. Putain, on est des cons. Putain, on l'avait, lui. On va y passer la journée, gros, putain. Bon, on va changer d'endroit encore. Et on va se mettre à un autre endroit et on va attendre. J'espère qu'il y en aura encore un qui prendra et que cette fois il pourra pas sortir. Putain, on s'est fait baiser, gros. Putain, je suis dégoûté. Vas-y, viens, on bouge d'endroit. Hein. On passe à la scène suivante, les gars. Bon, on voit pas la caméra, mais ça fait très longtemps qu'on est là, les gars. Et il y a un mec qui arrive, un jeune en plus. Tu m'as fermé les fenêtres, cette fois? Ouais, j'ai tout fermé. J'ai fermé les fenêtres. Si je ferme à l'arrière, il peut plus sortir, c'est fini. Ouais, mais je sais pas, c'est bizarre en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait? Attends. Il cherche et il regarde s'il y a personne. Eh ouais, il regarde s'il y a des gains devant. Il voit qu'il y a des gains. Attends.
Je te jure, s'il rentre dedans, lui, il sort plus, c'est fini. Ok. J'y vais. C'est fini. C'est bon. La pêche est bonne. Oh. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais dans mon camion? Qu'est-ce que tu fais dans mon camion? Il essaie de sortir, il arrive pas, elle est de l'intérieur pas plus. Arrête. Eh ouais. Arrête. Ah, qu'est-ce que tu fais dans mon camion? Arrête. Eh oui, je filme. On le voit. Viens dans le travers. Ouais. C'est le même chez moi, je voulais voir. T'as le même quoi? J'ai le même karcher. Il a le même karcher, il voulait voir, il me prend pour un con. Bah écoute, je vais te faire sortir. Ou quoi que. Ouais, je vais te faire sortir. Je te donne 20 euros, il m'a dit. Ah, attends, écoute-moi, tu m'écoutes? Tu m'écoutes, tu es pressé? Ah, il sait pas ce qu'il. Attends. On va faire un truc. Là, tu es filmé. On a ton visage. Non, mais attends, laisse-moi parler. On a ton visage. On fait des vidéos sur internet. Eh oui. Donc écoute, je vais te laisser sortir. Mais si tu pars en courant, je mets des images sur internet avec ta gueule. Sûr? Je t'explique. Si tu pars, il y a tes images, je regarde, tu es filmé, il y a ton visage. Moi, je fais, j'ai presque 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc vraiment, je te conseille de pas partir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, tu vas nous suivre, tu vas rester avec nous. Attends. Bah, écoute, si tu peux pas, alors va-t'en, mais on va au commissariat, on monte les images et on met les images. Non mais, frérot, moi je te laisse le choix. 25. Qu'est-ce que je faisais déjà? Qu'est-ce que je faisais dans le camion? Allez, vas-y, explique-moi. Dis-moi la vérité, si tu me mens, ça va pas aller, vraiment. Bon, vas-y, je te dis la vérité. En vrai, j'ai acheté le même au début de saison. Donc là, tu me prends pour un con. Non, c'est la vérité. Vas-y, appelle les flics. Non, j'appelle les flics. C'est la vérité. Écoute-moi. Arrête. Allez, j'appelle la police. Non. Si tu me dis pas la vérité, regarde. Ça sonne. Arrête. Regarde. Ça va, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est. Ben voilà. C'est les nouvelles. Les beaux temps et tout. Je dois faire ma terrasse. Et c'est cher, un karcher. Et moi, je vois qu'il n'y a personne. Voilà, je prends un bite et. Bah, tu as voulu voler quoi. Mais c'est. Non, frérot, on s'en fout d'être. Entre nous, tu fais un coup d'assurance, c'est bon, toi, tu t'en fous. Moi c'est bien sûr. Ouais, en fait, voilà. Non, oui, non, tu as voulu voler ou pas. Oui, bah, voilà, on y arrive. T'es quoi, t'es livreur, toi? Ouais, je suis livreur Amazon, moi. T'as pas compris ce que je fais dans la vie? Je t'ai dit, je suis youtubeur. Je fais des vidéos sur YouTube. J'ai 1 million d'abonnés pratiquement. Regarde dans le karcher, regarde dans le karcher. Vas-y. Regarde dans le karcher, regarde pourquoi t'as volé. Vas-y, viens, je te montre. Viens, descends. Regarde. Tiens. Regarde ce qu'il y a dans le karcher. Voilà ce que tu as voulu voler. Montre à la caméra. Voilà ce que tu as voulu voler. Un casque avec des affaires. Y'a rien, y'a pas de karcher dedans. Donc ça veut dire que là, t'as pris le risque de voler pour rien. Tu sais que là, alors je vais t'expliquer. Dans la poche, s'il te plaît, c'est bon, on arrête là, c'est bon, ça va aller loin là pour rien. Il a pas compris lui. Tiens, je m'en fous de tes 20 euros. Je vais t'expliquer un truc. En plus, attends. Frérot. Je vois youtubeur, tu vois et tout. Ah, tu vois qui je suis? Ouais. D'accord, bah écoute. C'est quoi ton prénom? Romain. T'as quel âge? 23. Alors je t'explique, Romain. Là, t'as vu là, imagine, je suis un vrai livreur Amazon ou n'importe quel colis. Tu me voles le colis, moi je perds ma place parce que je me suis fait voler un colis. Donc faut penser à tous les livreurs qui livrent et qui peuvent perdre leur place parce que toi, t'as voulu voler un karcher. Donc maintenant, regarde, on va faire simple. Non, mais regarde, on va faire simple. Oh, je vais mettre la vidéo sur internet. Arrête. Eh, si. Non, mais je suis pas parti, tu me dis. Tu pas parti. Peut-être que je pars alors, tu me. Non, mais je pars pas, mais. Tu veux partir, vas-y. Mais en fait, dans tous les cas, je suis niqué quoi. Non, soit tu viens avec nous, on fait une sentence et on te laisse tranquille, on fout ton visage et on te balance pas à la police. Soit tu peux partir, mais dans ce compte-là, je serai obligé d'aller aux flics, de montrer les vidéos. Et de mettre la vidéo sur. Donc tu pars pas? Tu veux venir avec nous? C'est bon. On fait une sentence? Ouais, une petite sentence, rien de méchant. Vite alors, parce que. On va faire vite. Est-ce que tu aimes faire du ski? Est-ce que tu aimes glisser? T'aimes la glisse? T'aimes les sports sensations? Ouais, un karting, un tromp. Ouais, t'aimes les sports. Un peu la sensation quoi. T'aimes bien glisser? Vite fait, t'aimes glisser? Ouais, je te demande parce que. On part au ski, tu vois, enfin, je sais pas. J'aime bien, ça va. Ouais? Non, on part sur le ski.
Donc on passe, les amis, on va avec notre ami Romain et on va aller faire... Supprime la vidéo, s'il te plaît. Non, vraiment, s'il te plaît, supprime la vidéo. Non, allez, vas-y, en vrai. Ça va. Mais c'est bon. Je te retire des sous. Mais si tu viens avec nous, oh. Si tu es avec nous, ton visage sera flouté. On va appeler Fafa pour qu'il nous rejoigne, pour qu'il nous donne un petit coup de main. Et nous, on va... Ben, on va t'habiller. Allez, viens. On va partir en camion. Bien entendu que la sentence qu'on va lui faire n'a rien à voir avec ce qu'on lui a dit. On va prendre le camion, on va partir. On va aller dans un endroit où il y a une belle pente et vous allez voir la sentence qu'on va lui faire. Je vous laisse la surprise, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez halluciner. Ouais. Salut Internet, tu veux gagner une PlayStation 9 sans rien faire? Je vais t'expliquer, mais il faut pas que tu swipes, faut que tu écoutes bien ce que je vais te dire. Le 15 juin, on organise un jeu concours pour 1€. 3 participants gagneront, donc ça veut dire qu'il y a 3 lots, ok? Je mettrai le lien dans toutes mes vidéos et sur tous les réseaux sociaux. Donc, je vais faire une dédicace vidéo, je vous l'enverrai sur votre mail, ça coûtera 1€. Et une fois que vous aurez la dédicace, ça vous rendra éligible au concours sans rien faire. Donc vous l'avez compris, le 15 juin, je le répète, c'est très important les gars, partagez l'info parce que tout le monde en France peut jouer. Pour 1€, tu peux gagner ta PS5. Et même, je vais même te dire mieux, pour 1€, t'as une dédicace personnalisée de la part de moi, donc à moi. Tout sera tiré au sort par huissier, tout sera réglementé, les documents seront téléchargeables sur internet. Et pour finir, les gagnants feront une vidéo avec nous pour présenter les lots et leurs données. Donc les gars, rendez-vous le 15 juin à minuit sur futuratech.com. Le lien sera valable le 15 à minuit. À vous de jouer pour 1€, vous pouvez gagner une PlayStation 5. Bon Romain. Ouais. Tu vas rester à l'arrière du camion pendant un petit moment, d'accord? Ah, le temps du trajet, on va aller dans un endroit, je vais te laisser un arrêt de bus, tu vois. Ok. On va faire vite, hein. Ouais, on va faire vite, ça va. Mais attends, après, mec, tu voles. Donc... Ah, mais je volais pas, c'était... Eh si, tu volais. C'est la galère en ce moment, les prix de l'essence et tout, là. Et... C'est pas une raison, mec. C'est pas une raison. Mais c'est pas une raison, mec. Je suis désolé, c'est pas une raison. Bon, on va te mettre un sac poubelle. On va te mettre une motocross, enfin un casque de motocross. Et puis ça va être réglé l'histoire. C'est tout. Ça va, c'est rien. Allez. Allez, ça va. Bon les gars, on va habiller Romain en sac poubelle. Et on va lui mettre un casque de motocross. Et on refilme au moment où la sentence sera tirée au cap. Bon les amis, c'est une première dans Kamoff aujourd'hui. On a fait croire au mec qui a volé les colis et qui est à l'intérieur du camion, on lui a fait croire qu'en fait, on l'avait déguisé en sac poubelle et qu'on allait le relâcher juste comme ça. Donc on va lui faire croire qu'on va y tirer au paintball dessus pour qu'il parte en courant. Là, on a installé une énorme bâche avec de l'eau, du savon noir liquide. Enfin, je veux dire, ça glisse, hein, regardez, même à peine on se met de... Voilà. Vous voyez, ça glisse, tarpé. Donc, quand on va dire 1, 2, 3 et qu'il va sortir pour courir... Et pour aller vite, je pense qu'il va se manger. Et en bas, on a mis de la sciure de lapin. Comme ça, il roulera dans la sciure de lapin et il repartira en bout de bois. Ok, allez, vas-y. Allô, oh ! Tu m'entends ? Ouais. Bah écoute, on a des paintball. On est tous armés de paintball, ok ? Ouais. Donc quand je vais ouvrir la porte, t'as 3 secondes pour partir. Sinon, on te tire dessus. Parfait. T'es prêt ? Parfait. Ouais, ouvre un petit peu comme ça, j'ouvre en même temps. Ok, c'est bon ? Ouais. T'es prêt? Ouais. 1, 2, tu pars vite, hein? Ouais. 1, 2, 3. Vite, 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 vite. Ah. Qu'est-ce que t'as fait, frérot? Oh vas-y, pousse-toi, frère, tu m'as fait, là. Me touche pas. Vas-y, qu'est-ce que tu fais, là? Me touche pas. Ah. Vas-y, là, qu'est-ce que tu fais, toi? Vas-y, cassez-le, là. Allez. Allez, dégage, man. Allez, au moins... Tu n'iras plus voler des colis. Ciao, man. Ah, tu pars pas. Ah, tu pars pas. Oh, putain. Il part avec... Vas-y, Fafa. Vas-y! Regarde, ah, mais tu crois qu'il s'en a volé, sachez pas celui qu'il a au camion, frère? Mon dieu. Bah. Dommage que ça a pas très très bien glissé. Ouais. Mais après, ça a bien glissé quand même. Ouais. Tu vas répondre à chaque fois, Fafou? Ouais.
Non, eh non frère. Eh non. Ah, je vais devoir l'enculer. Je m'approche, je te promets, je te refais. Fafouné ? Oui. Viens, je te dis un truc. Non. Non, pourquoi tu t'approches de ça ? Tu t'approches pas de ça. J'ai un truc à te dire. Non. Non, j'ai un cadeau à te faire. Ah oui ? Je te jure, c'est vrai. Lève ta sacoche. Lève ta sacoche. Non, c'est un cadeau. Si je lève ma sacoche, c'est qu'il y a une gambe. Lève ta sacoche. J'accepte ton gambe. On va voir. Je te fais confiance, hein. On va voir si je peux avoir confiance. Mais je te jure, il y aura rien. On va faire le trou ensemble. Ouais. Et tu vas la faire toi, vas-y. Vas-y, donne-moi le téléphone. Allez, vas-y. Tu vas faire toi le trou, vas-y, Fafouné. Vas-y, fais le trou. Allez, vas-y. Alors, comme vous avez pu le voir, on a arrêté le méchant, qui était très méchant, il volait des colis. Et du coup, il a fini dans la sciure. Pareil que pour moi. Et du coup, là, il va me faire un coup de pied. Je sais, vous voyez. Pas du tout. Mais je l'accepte. Je demande juste à ce que tu fasses le trou, mais correctement. Okay. Correctement. Alors, les gars, comme vous avez pu voir, on a fait notre taf. On a arrêté ce mauvais voleur de colis. On lui a donné une grosse leçon. Je pense qu'il recommencera plus jamais. Non. Je pense pas. C'est sûr et certain, il recommencera plus. C'est sûr, il recommencera plus, là, c'est sûr et certain. Il avait de la sciure dans les yeux et tout. Et du coup, c'est devenu un petit copeau de bois, tel un lapin. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous abonner à la fin de cette vidéo si vous n'êtes toujours pas. Parce que sinon. Moi dessus le Covid. Attends. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chez vous. Hein ? Avec la calache qu'il non, a achetée. Non, non, non. Il a acheté une calache, non, les gars. On va vous tirer dessus. On leur tire dessus. Tu as acheté une calache, pourquoi alors ? Fafouné, qu'est-ce que je dis ? On ne menace pas. Je les menace pas. Je les menace de mort. C'est pas pareil. La calache, ta 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 ta. Abonnez-vous, j'en sinon on vous tire dessus. Je m'en bats les couilles. C'est bon, quoi. Ah, mais... Aïe, aïe, je m'en fais une côte à la vraie. Ah, allez. À mercredi prochain 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et je crois que j'ai vraiment que j'ai pété une cote, ça va? Ça va pas? Tu m'as niqué. Non. Jure. J'ai entendu craquer. Non. Ça va? Non, tu m'as niqué. Si je t'ai vraiment fait mal? Papa. Non. Ben ça ira pour la fois, tu m'as niqué le coup. Non, 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 mais là tu m'as vraiment pas. Mais attends, non, tu m'as pas niqué. Bon, rendez-vous Bon les gars, rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. On vous donnera des nouvelles de Fafa. Si vous voulez des nouvelles, allez sur sa chaîne YouTube. Allez, vas-y, alors vas-y, menace-les maintenant, vas-y, dis-leur. Qui une crotte à la volée, je te vois, je t'en gagne pas. Dis-leur que tu les menaces avec la calache, vas-y. Vous faites la même que ce qu'ils viennent me faire si vous vous abonnez pas. Oh putain. Fafouné. Comme il court. Allez, tchuss.